joueurs qui seront bientôt prêts, qui attendent bien sûr avec impatience le début de ce match dont tout le monde parle depuis quelques jours maintenant. Ça devrait être du gros foot aujourd'hui à Bernabéu. Salut tout le monde, bienvenue à Santiago Bernabéu, ici à Madrid. C'est Hervé Bateau qui vous parle. Alors, ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Le Real Madrid contre Getafe. Je suis content de passer ce moment avec vous. Je sens que je vais. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Il lui rend, première intention. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions là. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Tire. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. Avec un tir. Oh, super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Ça s'agite un petit peu dans les tribunes. C'est une occasion. Et le corner en direction du point de pénalty. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Franchement, j'en sais trop rien. Enfin, on comprend l'idée, mais l'idée, elle est un peu lointaine, on va dire. Le défi sera de marquer face à la meilleure défense. Derrière, c'est du solide, on le sait. On l'a constaté à plusieurs reprises. Vinicius Junior, rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Il poursuit son action. Vinicius qui centre. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Il cherche le point de pénalty. Ouais, bien capté par le gardien. C'était frappé trop près du but, ce corner. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, il a le temps de centrer. Le ballon qui change de camp. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Oh, l'occasion! Oh, il ne s'est pas laissé surprendre, le gardien. La reprise de volée. Quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Attention à ce corner. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Real Madrid qui obtient un coup franc. Et le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce coup franc. La passe n'arrivera pas à destination. Il avait bien senti le coup. Et la faute de main signalée par l'arbitre. Ça va donner un coup franc dangereux, ça. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. La frappe. Elle va aller au fond, elle va aller au fond.
Oh, le but! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici, qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. Regarde ces images, on va pouvoir analyser quand même cette volée exemplaire en tout point. Le geste technique est juste parfait. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Je crois qu'il y a eu un but à Séville, à Sanchez-Pizjuan, c'est bien ça? Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur des Pericos de l'Espagnol Barcelone. Un but à zéro, donc, après 28 minutes de jeu, Hervé. Merci à vous. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Oh, le réflexe! Le réflexe de Thibaut Courtois, quel arrêt! Récupération et peut-être une action dangereuse. Federico Valverde. Casemiro. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font, les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Écoutez les supporters hein, qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Dégagé par la défense. Il gagne son duel. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Le corner, le ballon en pleine surface. Ah, magnifique. Splendide. Splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joué une fraction de seconde. Mauvais dégagement là, attention. Oui, il a dû se détendre hein, pour éviter le tacle. Bernardo Silva. Oh, magnifique, magnifique intervention dans les buts. On me dit qu'il y a un but à Madrid. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté du Wanda Metropolitano? Oui, il s'agit du premier but en faveur de Bilbao. Un but à zéro, donc, après 37 minutes de jeu. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Et le but, l'égalisation du Real Madrid. On va se centrer à l'origine du but. Sous la pression, il arrive à couper. Et voilà donc à égalité un peu partout. T'as l'interception. Il poursuit son action. Federico Valverde. Bernardo Silva. Ouais, bien joué le défenseur. Ah, il a levé son ballon. Ah, ça, c'est un bon ballon récupéré. Ah ouais, bien défendu. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score. Un partout. Allez, c'est reparti. La seconde période de ce match ici à Bernabéu. Mauvaise relance. Gabriel Jesus. Et bien l'intervention, changement de possession. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, il a fait l'effort là-dessus, loin du but adverse. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ça n'ira pas plus loin. Gabriel Jesus. Là, il fallait intervenir urgemment. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté.
et s'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie. Ouais, c'est un choc, on a vraiment hâte qu'il commence. Ce sera plus très long, c'est pour bientôt. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Gabriel Jesus. Et elle contre ce centre. Tire de loin. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Le remplaçant qui se prépare à entrer. Mais à la place de qui? Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ah oui, le réflexe magnifique dans les buts. Super arrêt. Il y avait des supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion, ce corner pour Pau. Et cette tête qui ne donnera rien, bien gênée par le travail défensif. Qui essaie, qui fait les efforts, qui se crée des occasions, mais qui n'arrive pas à marquer. Et du coup, ce match qui reste totalement indécis en ce qui concerne le score. On me dit qu'il y a un but à Madrid. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté du Wanda Metropolitano? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Bilbao. Donc deux buts à rien pour l'instant, alors que la... Oh oui, très beau. Magnifique parade hein, du gardien. Voyez ce match très intéressant qui vous sera proposé. Je vous laisse prendre note de l'horaire du coup d'envoi. Mais l'opposition en perspective, qui devrait nous valoir un bon match. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Attention à ce corner. Ah, le ballon qui est dégagé. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Un arrêt magnifique. Magnifique sur cette tête. Quelle présence dans les buts. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et ce sera finalement pour le gardien tranquillement. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Federico Valverde. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Et bien tiré ce corner. On passe un instant par Séville à Sanchez-Pizjuan. Détour, je crois qu'il y a eu un but. Oui, deuxième but à l'instant en faveur des Pericos de l'Espagnol Barcelone. Donc deux buts à rien pour l'instant. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Bernardo Silva. Bien bloqué par le latéral, ce centre. Vinicius Junior. Ah ouais, très bien pris. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Fofana. Un ballon par-dessus. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Enes Unal. Ouais, le centre peut-être. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Allez, c'est maintenant que le public doit faire la différence. On sent qu'il est derrière son équipe. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Bernardo Silva. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Le corner, le ballon en pleine surface. Mal joué, mal négocié ce ballon. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ça joue en ce moment à San Sebastian et un but, semble-t-il, a été inscrit à Anoeta. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour la Real Sociedad. Un but de Raúl Jiménez avec l'aide des montants pour faire rentrer le ballon. Au total, ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes après 81 minutes de jeu. Merci, c'était bien complet. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu.
Allez, ils attaquent, c'est le match qui se joue. Non, finalement, c'est un ballon perdu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Allez, il faut le mettre celui-là. Ah, la contre-attaque méritait certainement d'aller au bout. C'était très 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 bien joué. Il y a eu ce petit manque de précision sur la fin, dommage. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. 3 minutes, hein. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Ferran Torres. Bernardo Silva. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Grosse pression en cette fin de match avec ce corner qui va être tiré. C'est un petit peu de brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu, dommage. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Voilà, c'est terminé. Ce choc était très attendu. Beaucoup d'ambition des deux côtés, mais finalement pas de vainqueur. Ah, c'est un match que les supporters des équipes ne manqueraient pour rien au monde. La finale de l'UEFA Champions League. Retrouvez-nous dans quelques instants au London Stadium. Le rendez-vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition, la finale. Enfin, enfin, nous allons la vivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue avec une affiche qui promet beaucoup. Le Real Madrid face à Manchester United. C'est toujours un moment à part de disputer une finale, bien sûr. On sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête, beaucoup d'espoir, bien sûr, pour cette finale, même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. Sancho, Alcantara de Lyon. Sancho maintenant. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Hein. Ruben Dias. Bernardo Silva.
Ce ballon qui est récupéré. Et le Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Mais non, pas assez précise cette passe. Sancho. Attends, Calhanoglu. Luke Shaw. Manchester United à l'attaque. Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand chose. Hors-jeu, 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 si elle est hors-jeu. Ah, la défense qui a eu chaud. Ça met bien ce ballon, il attend du soutien. Bernardo Silva. Il essaye de trouver la faille. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Vinicius Junior. Ouais, c'est bon ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Ouais, l'excellente sortie dans les pieds. Ah, il fallait pas avoir peur. Sortie remarquable, sans faute. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ils ont dû prendre l'avantage. Oh oui, le but, l'ouverture du score. Ah, oh, ça c'est important de marquer en premier. La défense se ralentit, cette grosse erreur en défense à l'origine du but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Et ce ballon est intercepté. Ferran Torres. On est dans une phase de conservation du ball en attendant l'ouverture. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Pour l'aider, il y a du monde dans cette zone. Ouais, Baptiste Delert qui intercepte. Bernardo Silva. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Sancho. Les Red Devils à l'attaque. Sancho. Toi, attention, c'est pas terminé. En retrait pour un coéquipier. Ça sera pas facile à exploiter hein, comme ballon. Ouais, très très bonne défense. Ferran Torres. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Et le dégagement pour éloigner le danger. Casemiro. Oh, la frappe de Mule, la frappe de Mulas, mais alors sans cerveau. Agas. Whiskey. Declan Rice. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Whiskey. Attends, Calhanoglu. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. En deux temps, peut-être ce corner. Mauvais dégagement, mal fait. Federico Valverde. Il
Il a laissé l'avantage, mais il revient à la faute. Hein. Ça va en profiter. Ça, c'est très bien défendu. Ouais, impeccable ce tacle, ce serait une touche. Declan Rice, appelle Calhanoglu. Sancho, Manchester United à l'attaque. Ce sera une touche à suivre. Silva, Alvaro Adriosola. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font des joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Et la tête, et pas de souci, pas assez appuyé. Sancho. La fin du temps réglementaire est seulement une minute de rajouter par l'arbitre. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. Théo Hernandez. Le ballon qui change de position. David Alaba. Konko. Declan Rice. Antoine Calhanoglu. Ça peut être dangereux. Oh, le réflexe! Le réflexe de Thibaut Courtois, quel arrêt! Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Un corner qui sera dégagé. L'attaquant est passé. Jadon Sancho. Federico Valverde. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette rumeur de transfert. Ah, c'est un transfert qui ferait du bruit, évidemment. Mais c'est un petit peu tôt pour en parler. Hein. Ça reste vraiment une vague rumeur pour l'instant. C'est venu en profondeur. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. On voit bien sûr les images. Cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ah bon, voilà, ça fait maintenant du dégât. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Pas terminé. Oh, le ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Oh, on en redemande un début comme ça. Ah, c'est magnifique. Hein. On peut que s'incliner. C'est pas un but à la portée du premier pimpin qui passe. Hein. Ils prennent le large. Konko. Skriniar. On cherche des solutions là. Un duel pour la récupération du ballon. Intervention de Skriniar qui intercepte.
Sancho. Luke Shaw. Çalhanoğlu. Attention à la frappe. Sancho. Çalhanoğlu. Ballon perdu pour Manchester United. On a du mal à s'en sortir, on dirait. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Dias pour Alaba. David Alaba. On va trouver une ouverture. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il faut venir défendre là. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Du mouvement au bord de la touche. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, la mauvaise relance. Vinicius Junior. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Declan Rice. Cunha qui perd le ballon. Lucas Paqueta. Bonne anticipation sur cette interception. La frappe. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Le corner, le ballon en pleine surface. Otavio. Elle presse cette équipe. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Pas de problème pour le gardien. Ce sera encore concédé par la défense finalement. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Il cherche le point de pénalty. Dégagé par la défense. Ouais, la volée est magnifique. Mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. Un score sans appel aujourd'hui. Hein. Une avance totalement justifiée, tant l'équipe a dominé dans tous les compartiments du jeu. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Alors, jeu, quel dommage. La passe en profondeur était vraiment dangereuse. Mais l'appel de balle n'était pas bien coordonné. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Théo Hernandez. Il a piqué son ballon. C'est une sorte de passe à vide. Le bon ballon. Oh, le super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Ouais, bien tiré ce corner. Premier sur ce corner. Allez, oui, il va y aller. Attention à cette occasion. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Rashford. 3 minutes, hein. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Declan Rice. David Alaba. Pas beaucoup de solutions devant. Il est obligé de dézoner. Rashford. Attends, Çalhanoğlu. Whisky. Ouais, ouais, il y a hors-jeu. Il faut être plus attentif à la ligne. Et on va jouer 2 minutes de plus. La passe est coupée et bien défendue. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux.
Toujours ces images hein, pleines d'émotions. Cette communion entre une équipe et un public hein, qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Hein. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité.